sensation par le feu de papa. Monsieur Chéton, on a écouté sans sa petite son douce voix. Depuis on s'est caché et ça va faire au moins mille fois qu'on a bouffé le vin. Certainement pourquoi je suis partie. Eh bien, j'aimerais découvrir le monde qui est si vaste et je ne peux rester en place, je dois voir autre chose, être au grand air et de toute façon, on n'a qu'une vie après tout. Aujourd'hui plus qu'hier, je ne t'appuie en place.
mal. Oui, papa. Ah, bah voilà, enfin, j'ai trouvé. Le village indien dont m'a parlé mon ami devrait certainement plus être loin. Thank you.
déjà perdu. Ça commence bien. Je vous cherchais depuis longtemps. Enfin. J'aimerais acheter quelque chose de votre civilisation. Une sorte de petit souvenir pour prouver que je vous ai vu. J'ai dit quelque chose de mal. Non, non, monsieur. Nous pas vouloir de votre argent. Nous préférons choses. D'accord. C'est à peine ces jours sont divers.
connaissons pas. Ainsi, c'est tout ce que j'aimerais de lui. Ah, si seulement je pouvais lui manquer. Thank you.
ces Indiens. Mais ce village me paraît bien étrange. Bien bonjour, mon beau monsieur. Vous m'avez l'air perdu. Oui, je me suis perdu, je... Ne dites rien, je sais. Vous êtes venu ici pour le grand bal. Quel grand bal? Enfin, tout le monde sait. Ah. Le grand bal. Venez, suivez-moi, j'y vais, j'en vais. D'accord. Monsieur ? Non, désolé.
plaît, j'en ai vraiment besoin. Mon frère n'est plus. J'étais la personne qui comptait le plus pour moi. Maintenant, je n'ai plus rien.
vous pensez certainement que je m'apitoie trop sur vos sommes. Mais le manque affectif m'empêche de voir les choses autrement qu'en noir et en blanc. Je suis perdue sans lui. Thank you.
que de joie, que de bonheur. J'ai envie d'aller beaucoup plus loin et d'en voir plus, bien sûr. Mais avant tout cela, il faut que je fasse quand même quelque chose. Revoir les personnes que j'aime le plus au monde. Ma femme et mon fils, bien sûr.
dois arrêter de me morfondre. Mon père serait fier de moi si je continuais à avancer pour ma vie. Thank you.
Merci à vous tous d'être venus. Merci encore à tous ceux qui ont participé directement ou indirectement à ce spectacle. Un grand merci à vous. Et le plus grand des merci, et je pense parler au nom de toute la chorale et de tout l'ensemble musical, en vous disant bravo Monsieur Bravo. Monsieur Bravo, Monsieur Valère, merci beaucoup. Sans vous, rien de tout ça n'aurait été possible. Ce que vous voulez, si vous avez envie de mettre quelque chose, c'est avec grand plaisir. Et je vous demande de les applaudir encore une dernière fois. Merci beaucoup.